votée à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement du Forum des îles du Pacifique, Wallis et Futuna obtient le statut de membre associé. Le territoire rejoint ainsi Tokelau comme membre associé de cette organisation aux côtés des 18 autres pays de la région, membres à part entière du Forum. Un grand pas en avant pour le territoire, selon le président de l'Assemblée territoriale. Observateur, c'est regarder uniquement, on n'a pas le droit à la parole. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir s'exprimer en tant que Wallis et Futuna, et puis aussi saisir par notre nouveau statut des groupes de travail en interne dans le forum où les membres associés sont invités alors que les membres observateurs ne le sont jamais et donc permettre de saisir les opportunités qui se présenteront, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans des domaines de financement, que ce soit aussi dans des domaines des thématiques comme le changement climatique, la desserte aérienne, maritime. Enfin, on a une autre dimension puisque aujourd'hui, le Pacifique a reconnu par cette accession en tant que membre associé que Wallis et Futuna avait pleinement sa place dans la discussion de la région. Donc je pense que c'est une énorme reconnaissance pour nous. Outre la desserte aérienne et maritime, selon David Verger, la question sur le réchauffement climatique doit être mise en avant également, car comme toutes les îles du Pacifique, le territoire de Wallis et Futuna est aussi touché par ce phénomène. Dans le changement climatique, je pense que Tuvalu, qui l'année prochaine, qui vient d'être, donc a récupéré le flambeau de la gouvernance de ce forum, a un slogan très simple, sauver Tuvalu, sauver le monde. Donc je pense que le changement climatique va redevenir une priorité par rapport à cette présidence. Et donc nous le soutenons à fond cette initiative. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, dans ce sujet-là, nous sommes aussi cruellement touchés. Il n'y a qu'à regarder l'état de nos côtes. Prochaine étape, selon David Verger, est d'apporter une contribution positive du territoire au débat global du Forum, mais également travailler sur l'intégration régionale du territoire en tant que membre à part entière du Forum, comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.